C'est bon, 1, 2, 1, 2. Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui nous indique le thème de l'été puisqu'on est dehors. Alors oui, normalement je suis à l'intérieur dans mon salon, mais c'est la Coupe du Monde. Il y a mon papa qui est en train de regarder un match, donc je ne pourrai pas filmer à l'intérieur. Et j'aime bien savoir les pronostics, etc. Donc dites-moi, vous êtes pour quelle équipe en commentaire. Je voulais aussi m'excuser d'une chose, c'est que je ne sais pas si ça va vraiment se voir dans cette vidéo ou pas, mais j'ai les yeux très très irrités, très rouges et assez gonflés. Je sais pas si ça va se voir vraiment. J'essaie de me maquiller un peu, donc pas les yeux du tout, mais le teint et les lèvres un petit peu, mais je ne peux vraiment pas me maquiller les yeux. Donc voilà, j'ai eu les yeux tout rouges et tout gonflés l'après-midi. Là ça va un peu mieux, donc j'en ai profité, donc je m'en excuse vraiment. Pour vous parler de Zafool, c'est pas la première fois que je vous parle de ce site. C'est un site qu'on voit beaucoup sur YouTube, mais moi qui m'intrigue un peu, parce que d'un côté c'est certes un site chinois, mais je trouve que ce qu'ils proposent sur leur site et la qualité peut être discutable. Vraiment ça vaut le coup. Donc il m'avait envoyé une sélection de maillots de bain l'année dernière, je vous en avais parlé plusieurs fois, je vous mettrai la vidéo ici si ça vous intéresse, ou si je sais plus. Et cette année ils m'ont reproposé un partenariat, donc j'ai accepté avec plaisir, puisque j'aime beaucoup ce qu'ils proposent, il y a vraiment de tout, et il y a vraiment des habits très très tendance qu'on voit beaucoup en ce moment dans tous les magasins, que ce soit Bershka, etc. Il y a des trucs vraiment tendance, et je me dis que ça peut vraiment vite valoir le coup par rapport à ce qu'on peut voir en magasin justement. J'ai reçu ma commande en une semaine et demie. Et bizarrement l'année dernière, je sais pas si c'est moi qui avais mal fait ou quoi, mais l'année dernière j'avais reçu en relicolé. Et là j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, donc j'étais contente. Voilà, pas de free done ou quoi que ce soit. Donc sur Zafool ils proposent particulièrement des vêtements, il y a des vêtements pour hommes aussi. Il y a aussi tout ce qui est accessoires, chaussures, etc. Mais moi j'ai plus été sur les habits cette fois-ci. Donc on va tout de suite commencer. Tout d'abord j'ai cette paire de lunettes qui sont sur mes cheveux, qui sont sur ma tête. Les paires de lunettes c'est un peu un accessoire phare en ce moment, c'est assez tendance. Vous en avez de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Et voilà, je trouve ça amusant et je trouve que ça peut vraiment habiller une tenue. Elles sont rondes quoi, elles sont circulaires et elles ont une couleur un peu jaune-vert. Mais j'adore. J'aime beaucoup. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir toutes les paires de lunettes qui se proposent sur leur site, parce que j'avais tous envie de les prendre vraiment. Alors j'ai une bonne sélection, je vais tout de suite vous montrer. Je vous montrerai comment c'est porté parce que je les ai déjà essayées pour voir à peu près si ça allait et puis que je puisse vous donner un avis. Je trouve que faire un unboxing c'est cool parce que c'est ce que je voulais faire au départ, mais je peux pas vous donner d'avis, je peux pas vous dire si ça me va, ce qui va ou ce qui va pas, si c'est transparent, des choses comme ça. Donc je trouve ça pas vraiment cool du coup et je peux pas vraiment donner mon avis. Donc c'est pour ça, je les ai essayés avant mais je vous ferai quand même un try on. Donc il y a des choses qui sont encore beaucoup froissées. Et, tout était bien emballé dans des petits sachets zip et ça j'adore vraiment. Donc j'ai choisi d'abord ce petit short là. Short en toile, j'ai beaucoup de shorts en jean, etc. Mais des shorts en toile comme ça, c'est vraiment vraiment cool l'été. Donc voilà, il est bleu et blanc. J'aime beaucoup les couleurs. Vous avez un petit lacet, c'est assez resserré. Donc j'ai tout pris en S, puisque au moins comme ça, j'avais pas de doute ou quoi que ce soit. Bon, il y a des choses, ça vaut le coup, d'autres un peu moins, mais je vous montrerai ça. Donc voilà, un petit short bleu comme ça. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est des produits à bas prix. Bon, après, il y a des choses qui valent un peu plus cher, mais ce qui est tout à fait normal aussi. Ensuite, j'ai ce t-shirt-là. Ce t-shirt-là, vraiment, je l'adore. Voilà, il est comme ça. Il n'est pas si court que ça. Enfin, je m'en rappelle plus, je crois pas. Enfin, on verra au try-on. Mais je ne crois pas. Et il est bien épais. C'est vraiment un t-shirt... vraiment de bonne qualité, tu pourras vraiment trouver partout. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez deux petits coquillages à la place des seins. Voilà, il y a beaucoup de t-shirts qui font ça en ce moment, enfin beaucoup de marques et voilà qui font ça et moi j'adore. Ensuite j'ai cette petite tunique là. Donc voilà, c'est une combi short. Franchement je suis hyper fan des combi shorts et là j'en avais plus qui m'allaient quasiment. Et les combi shorts, je trouve ça vraiment cool. Ça fait toute une tenue et c'est léger. Donc celle-ci, j'aimais beaucoup les motifs et puis il y a du rouge. Du rouge, c'est toute ma vie. Donc voilà. Et donc vous avez des liens comme ça. Et en l'essayant, je pensais que ça allait bien recouvrir. Et finalement, non. On voit pas mal mon soutien-gorge quand même. Donc parce que ça, c'est libre quand même, vous voyez. Ça s'ouvre bien.
Moi, ce que je compte faire, c'est que je compte mettre une brassière. Une brassière que vous savez, vous trouvez un peu partout là. Ensuite, j'ai un haut à vous présenter. Là, par contre, j'ai pas fait gaffe et j'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus, genre M quoi. C'est vrai que pour les t-shirts, je me fais pas de soucis. Des fois, j'ose un peu de prendre M ou XL. Et là, j'ai vraiment pas fait gaffe. Ça a été une manip et j'ai pris du M. Mais ce t-shirt, ça fait un petit moment que je le voyais sur Zaful. Et je le trouvais vraiment trop beau. Donc, c'est un petit t-shirt comme ça. Vous avez une bande blanche là-dessus, enfin deux. Et c'est écrit Roméo avec une typographie un peu Moyen-Âge là. Ensuite, avant-dernier, ça vraiment est un gros coup de cœur. Et j'adore ce genre de pièces là sur Zaful. Et c'est les seuls sites qui le font, j'ai l'impression, quand je vais sur Bershka ou quoi que ce soit. Ils font pas trop. Ce genre de produit, c'est-à-dire vendre un ensemble, c'est-à-dire le haut et le bas qui va avec. Et moi j'adore. Genre tu peux très bien les déparier ou les mettre ensemble, j'adore. Et je suis tombée amoureuse de cet ensemble là. Vous avez donc le pantalon, par exemple c'est assez transparent. Autant les t-shirts ils sont épais, la tunique elle est plutôt légère, mais ça c'est transparent comme matière. Vous voyez, c'est assez. Bon, ça, par contre pour l'été c'est cool parce que c'est léger. Mais donc je l'ai essayé. Vous avez un pantalon comme ça, qui est taille haute et qui est hyper léger, large, et j'adore. Petit bémol, donc qui doit être taille haute normalement, mais ma taille est trop fine et j'ai un trop petit bide, et du coup ça retombe quoi. Ça m'arrive bas aux hanches, et du coup c'est moche, mais c'est un long pantalon, donc du coup il doit arriver vraiment en haut des côtes quoi. Je vais aller le faire modifier, donc le raccourcir ou quoi que ce soit, parce qu'il est vraiment hyper beau avec des escarpins noirs. Et vous avez le haut qui va avec, donc le haut est très fin, mais vu que c'est un pantalon assez taille haute, on voit quasiment rien de votre ventre. Brassière comme ça, donc voilà un haut quoi, vous avez une fermeture éclair derrière, et vous avez donc deux liens pour fermer derrière et pour du coup arranger la taille selon votre poitrine, etc. Ensuite, pour terminer, j'ai ce haut là. Ah, attendez, parce que c'est un peu une catastrophe à montrer. Assez fin, vous voyez. Voilà, avec du voile. Et tu peux pas y montrer ça. Au début, quand je l'ai vu, même quand je l'ai mis, j'ai pas compris encore. Nous serons au try-on. Vous allez voir, je vais pas arriver à le mettre. Et genre, donc les manches sont bouffantes comme ça, donc c'est resserré. J'adore comment ça rend. Donc je pense que c'est à mettre sur les épaules. Et vous avez deux petits liens comme ça pour fermer devant. Donc vous verrez comment ça rend, mais ça rend quelque chose de pas mal. Vous avez des petits pois, ces couleurs un peu caramel. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de haut assez léger pour l'été, c'est pas prise de tête. Et j'adore. Donc voilà pour ma sélection de produits. J'en ai pas choisi énormément parce que je voulais pas commander énormément d'habits pour tous vous les montrer d'un coup quoi. Donc j'ai fait juste une petite sélection d'habits qui m'intéressait bien, qui aurait pu vous plaire aussi. Et j'espère que c'est le cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis je vous mettrai tout ce qui peut vous intéresser en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.